畅通早高峰的直播。大家好，我是 Mr. Q 小强。早上好，我是李丽。2022年2月8号星期二，恢复工作第二个工作日的早上，今天早上10点钟，相信大家也会一起在工作岗位和家里边各种可能的情况之下来关注谷爱凌啊。我们直说谷爱凌压力得多大呀，人家如果是吧，天天念叨谷爱凌。中华北京是妈妈的故乡，也是她的故乡。中华人民共和国万岁！世界人民大团结万岁！下面播送关于北京奥运会期间天安门广场管理措施的公告。8月17日、24日分别举行女子、男子马拉松比赛，届时将对广场实施封闭管理。Mahui travaille à ce petit guichet depuis plus de 20 ans. Elle ne sait plus combien de fois elle a parcouru l'avenue Chang'an et combien d'annonces elle a faites pour annoncer l'arrivée du bus. En regardant en arrière, sa jeunesse pendant laquelle elle a travaillé contre vents et marées, elle se rappelle souvent la nuit du 13 juillet 2001. 当时晚上八点多钟，我们车就行驶在长安街上。突然的街上涌下了好多好多的人。29届奥运会，这个北京的北字没起来的时候，我就看到当时的坐在后排的我们的北京市的市长啊，还有呢就是前面那个射击运动员杨林，反应特别快，就别人还没站起来的时候他们就一下子跃起来欢呼啊。然后呢当时我也反应很快啊，然后就赶紧的摁下了快门啊。北京是北京，是北京，是北京，深大奥运成功了。然后车行驶在长安街的时候，车速都在缓慢行驶，都在鸣笛，特别特别激动，好多人看到场景都已经热泪盈眶了。中国怎么会是申请奥运会呢？谁想出来的？谁提出来的？邓小平同志提出。1990年的7月，当时北京正在准备北京亚运会，邓小平同志7月有一天参观现在的叫奥体中心，他站在田径场上，眼前奥体中心的新建的体育设施，回头一看新建的亚运村，小平都是很高兴，就说了，这些设施我看将来办个奥运会都差不多，你们有没有胆量来申办奥运会？在当时情况没有人回答。Le concepteur en chef de la réforme et de l'ouverture a posé la question ambitieuse de la candidature aux Jeux Olympiques. Il l'a fait car moins de 10 ans après le tournant national vers le développement économique, le succès de la candidature aux Jeux Asiatiques, tel un ballon d'essai, a révélé la puissance des rêves libérés par des millions de Chinois sous l'effet du vent printanier de la réforme. Le 28 septembre 1984, le Comité olympique d'Asie a approuvé la candidature de Beijing pour accueillir la 11e édition des Jeux asiatiques. Beijing, la ville hôte, a passé en revue la qualité de ses infrastructures et de sa gestion du trafic en tant que métropole internationale moderne. Son but était d'accueillir un événement sportif international pour la première fois. À l'époque, notre capacité de recevoir les visiteurs根本接待不了这么多外宾，当时怎么办啊？一个是修路，啊，几条放射线都是那个时候修；第二，那时候还没有四环呢，那还是八里乡呢，在那儿呢，一边建着亚运村，一边修着路。因为现在从2022冬奥会完了以后，现在叫后冬奥时期，所以我想把这奥运社区大舞台啊升级成民间奥林匹克文化大舞台。
Chen Yong, un ancien agriculteur de la commune de Wali, est devenu aujourd'hui directeur du centre des activités pour les habitants du quartier du village olympique. Il se souvient encore des grands changements survenus dans son village quand il était encore enfant. L'ancien village est devenu aujourd'hui le parc forestier olympique où les habitants de Beijing peuvent se détendre et faire de l'exercice. C'est également l'extrémité nord de l'axe central de Beijing, à environ 4 km des vestiges de la muraille Yuan de Dadou. D'après les mesures, l'axe central de Beijing défini par Kublai Khan coïncide pratiquement avec le méridien. Pendant des centaines d'années, les empereurs des dynasties Ming et Qing ont également respecté cet axe central en plaçant le trône du dragon juste au centre de la salle de l'harmonie suprême qui se trouve sur l'axe. Aujourd'hui, certains bâtiments anciens qui se situaient sur cet axe central ont disparu. Heureusement, on peut encore les voir dans toute leur splendeur grâce à un ensemble de plus de 700 dessins datant de 1945. C'est le résultat de l'étude cartographique des bâtiments anciens qui se situait le long de cet axe central pendant la guerre contre le Japon. Cette étude a été menée par des diplômés du département d'architecture de l'université de Tsinghua et qui était sous la direction de l'architecte M. Zhang Bo. La construction du village des Jeux asiatiques et du village olympique qui prolonge cet axe central a rappelé aux gens l'existence de cet axe qui traverse la ville du nord au sud. Sans cela, les habitants de Beijing, occupés par leur vie quotidienne, l'auraient ignoré. Mais Bruce Connolly, un Écossais surnommé Lao Pu, par ses amis chinois, a repéré ce méridien urbain sur la carte dans les années 1990. Vivant à Beijing depuis 33 ans, il mesure et ressent l'axe central en constante évolution avec son regard et ses pas. Old photo, one photo taken here. 1995. What has changed is there. Beijing CBD. When I arrived in Beijing in 1987, it was a very, very different city than it is today. It became a real fascination. I loved it. I felt a great passion. You walk around, I talk about Zhang Guolo, I talk about the Tiananmen, the different stages of it. It became something that really, really did interest me, of this whole concept of a city being set up along 7.8 kilometer long historic access line from Zhang Guolo to Yongdaemun. So it's really, really been with me for many, many years. I want to photograph this country because I could see that China was going to change. On peut considérer que l'avenue Chang'an, que le bus de la grande ligne 1 parcourt, est l'axe est-ouest de Beijing qui accumule les changements des époques, formant symboliquement une miniature du grand parcours où le Parti communiste chinois guide le peuple vers le bonheur. Alors que l'axe central nord-sud, en raison de son ouverture marquée par les événements sportifs internationaux, est devenu un axe culturel qui traverse les temps anciens et modernes et sert à renforcer les échanges entre la Chine et le monde. Afin de raconter le moment émouvant où la ville de Beijing a ouvert ses bras au monde, prenons un système de coordonnées avec l'axe central en Y et l'avenue Chang'an en X.
Cela donne une image plus concrète de la ville de Beijing et de la Chine, qui sont de plus en plus ouvertes sur le monde. L'après-midi du 22 septembre 1990, les spectateurs devant leur télévision ont accueilli avec enthousiasme la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques de Beijing sur le rythme de la chanson d'ouverture. Cette chanson, qui est devenue plus tard très populaire, représentait les sentiments compliqués des habitants de Beijing lorsqu'ils ouvraient les portes de leur ville pour accueillir des invités et des amis venus de loin. Cette année marquait également la première année où la Chine commençait à accueillir des événements sportifs internationaux. Mais il a fallu attendre encore 4 ans pour inaugurer l'ère d'Internet en Chine. Les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer les conditions technologiques de diffusion de l'information à cette époque. La population ne pouvait connaître les événements sportifs que par la télévision et les journaux. Par conséquent, dans les bus de la grande ligne 1, qui circule sur l'avenue Chang'an, un service innovant et très utile fut lancé. Un tableau des médailles qui était mis à jour en temps réel en fonction du nombre de médailles obtenues. Ce souci du détail par rapport au service est la raison pour laquelle les gens préféraient les bus de la grande ligne 1.而且我们的绿化增加，随着这个亚运会之后呢，公交线路也在不断的增加。所以这个亚运会之后呢，公交人的这种服务水平、服务理念也不断提升，城市变化了，我们公交作为窗口行业也在提升，也在变化。1990年北京亚运会成功了以后，小平同志这个问题就提出来了，经过酝酿，就产生了我们1993年申办2000年的奥运会。Le 24 septembre 1993, à l'aube, de nombreux habitants de Beijing n'étaient pas encore couchés. Assis devant leur télévision, ils attendaient une nouvelle importante qui allait être annoncée par un homme espagnol d'un certain âge. That there is only one winner, and the winner is. 我们只有一个获胜者，这个获胜者是。The winner is Sydney. À l'annonce des résultats, les cris de joie qui étaient prévus ont été remplacés par un grand silence. Beijing n'avait pas été choisi. La ville est redevenue calme et l'on a commencé à réfléchir. La ville de Beijing, avec toutes ses réalisations dont on est fier, pouvait-elle vraiment être en mesure d'organiser une édition des Jeux Olympiques parfaite? Quels étaient les écarts entre nous et de nombreux pays développés en matière de services urbains, d'infrastructures et de concepts de développement? Le jour où on annonça l'échec de la candidature de Beijing, le quotidien du peuple a publié un éditorial intitulé « Continuer à s'ouvrir résolument sur le monde ». Nous devons nous concentrer sur le développement de l'économie. Une fois que la capacité du pays sera renforcée et que celui-ci aura un nouveau visage, quelle que soit l'ampleur de l'événement, nous pourrons l'organiser. Ces 31 mots dans l'article sont concis, mais l'idée était claire. C'est également notre direction résolue pour le développement dans le futur. Bien que la première rencontre avec les Jeux Olympiques ait laissé derrière elle des regrets, au cours des 8 années qui ont précédé la décision de poser à nouveau la candidature de Beijing aux Jeux Olympiques, la Chine s'est tournée résolument vers le monde, tout en améliorant de manière constante le bien-être et le sentiment d'accomplissement de chaque citoyen de la République. «
Le 25 juin 1997, les bus de la Grande Ligne 1 circulaient sur une voie spéciale de l'avenue Chang'an, qui était la première voie réservée aux bus du pays. Il ne s'agissait pas seulement du changement de fonction d'une voie, mais aussi d'un changement de perception des gens par rapport au développement urbain et à l'allocation des ressources sociales après 20 ans de réforme et d'ouverture. En 1999, 300 bus fonctionnant au gaz naturel de type BK6111 et dont les émissions répondent aux normes Euro 2 ont été officiellement mis en service pour la ligne 1 et la ligne 4 sur l'avenue Chang'an. Les couleurs jaune et rouge du bus représentaient les murs rouges et les tuiles jaunes qui symbolisent le style traditionnel de la capitale. Et le vert représentait le concept écologique des bus de Beijing. En 2001, Beijing a émis pour la première fois une carte de transport intelligente, Yikratron, et l'a testée sur certaines lignes de bus de la ville. Cela signifiait que les billets en papier feraient bientôt leurs adieux sur les petits guichets dans les bus et deviendraient une relique témoignant des changements de la vie des habitants de Beijing. Ma Tongtong, née dans les années 1990, prend chaque jour le bus pour aller au travail, comme beaucoup de jeunes de cette ville. Ayant grandi à Beijing, il a une profonde affection pour les bus de la ville depuis son enfance. Et il a investi ce sentiment particulier dans une collection qui lui est propre. La collection de billets de Ma Tongtong est comme un voyage dans le temps qui nous fait découvrir l'histoire centenaire des transports publics de Beijing. Les billets en papier accompagnent depuis toujours les habitants de la capitale dans leurs déplacements quotidiens. Ils sont devenus un témoin historique qui incarne la vie des habitants et le développement social. Ils portent également en eux leurs souvenirs. Le 1er janvier 2007, les cartes de forfait mensuel pour les adultes et les élèves, ainsi que la carte de forfait mensuel de l'Union des transports en bus et en métro, ont toutes été retirées de la scène de l'histoire pour être remplacées par la carte à puce Yikratron. Bien sûr, c'est non seulement la façon dont les gens achètent les billets qui a changé, mais ce fut également l'apparition de nouvelles peintures pour les bus. Après une large consultation pour connaître l'opinion des experts et des habitants, suivie d'une annonce publique, quatre peintures ont finalement été sélectionnées. Les autobus de la Grande Ligne 1 allaient être de couleur jaune, bleu et gris, tandis que les bus standards arboreraient le rouge comme couleur principale, accompagné de gris argenté. Les trolleybus allaient être vêtus de bleu ciel, de blanc et de gris, tandis que les bus desservant les districts en banlieue seraient principalement peints en vert clair. Les bus, vêtus de nouveaux habits, circulaient dans cette ville de Beijing flambant neuf, comme s'ils se préparaient pour la 29e édition des Jeux Olympiques qui seraient organisés prochainement. Cette nouvelle apparence est le fruit des efforts déployés par les urbanistes
les gestionnaires et les constructeurs dès le moment où Beijing a remporté sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques. De nombreuses années plus tard, les gens se souviennent encore de cet événement qu'ils décrivent avec quatre caractères, Wuyu Lumbi, vraiment exceptionnel. 申奥成功啊，办奥运啊，是对于国家和对于北京都是一件大事儿。这个时候呢，城市发展，北京经济社会发展的理念也随着办奥运有了一次提高和升级。 La modernisation urbaine, entraînée par le succès de la candidature aux Jeux Olympiques, a donné aux habitants de Beijing de nouvelles attentes pour l'avenir. Zhao Yingxin, photographe de l'agence de presse Xinhua, a grandi à Beijing. Elle observe attentivement et avec une vive émotion les changements survenus dans cette ville ancienne. En 2005, elle a été nommée responsable de l'exploitation photographique des JO par le comité d'organisation des Jeux Olympiques, devenant ainsi la première femme chinoise a occupé ce poste dans l'histoire des Jeux. Elle fut donc le témoin de tout le processus lié à cet événement, de la préparation jusqu'à l'organisation réussie. Elle se souvient bien encore de l'enthousiasme pour les Jeux Olympiques et de la mentalité bienveillante et ouverte des habitants de Beijing. 当时我记得我陪着这个国际奥委会的评估团的团长啊，北野布鲁根啊，去考察了很多地方啊，然后其中呢最让我感动的，他去了一个小区，叫春树吧，春树街小区啊，然后他们一去了呢，就这些老百姓啊，老太太什么，还有包括孩子们，就都特别欢迎他们。老头老太太说，你一定再回来啊，他们不太会表达哈，他说我们希望奥林匹克来，但是不太会表达，他说你得回来啊，我都欢迎你再来。我们当时知道那个奥委会要 评估这作为评估小区了，我们当时我们小区里头也有，确实也有那个老年健身队、合唱队、舞蹈队，还有一个英语学习班。从那时候开始，我们就开始组织大伙儿学习英语，说点什么，新北京新奥运，北京欢迎你啊什么的，Welcome to Beijing，Welcome to Chunshu Garden， 什么写点这英语。来的那天， 大伙儿都就特别高兴，咱们那健身队啊，还有那个舞蹈队，一直都在那点跳舞，在那跳舞，就等待着那个奥委会、奥组委他们来。然后呢，听说来了，还有好多的那个居民都从楼上跑下来，就是一边喊着"Welcome to Beijing"，看见他们就喊，这样确实是特别热情，也表达了咱们首都人民好客的那种心理那样。当时我记得提出的是三个奥运：绿色奥运、人文奥运、 科技奥运，那么进而呢，转型到三个北京，就是用了奥运的这个理念和精神，变成绿色北京、人文北京和科技北京。 Écologique, technologique et populaire, ces trois mots simples correspondent parfaitement à la richesse de Beijing, une ville ancienne et moderne à la fois. En 2001, alors qu'une nouvelle page du 21e siècle venait de se tourner, l'élaboration d'un concept aussi concis et clair reflétait pleinement la vision et la prévoyance des décideurs. De plus en plus de gens ambitieux venant des quatre coins du pays et portant leur bagage ainsi que leur espoir pour l'avenir affluaient à Beijing, la ville où l'on peut réaliser ses rêves. En même temps, cette prospérité et cette ambiance dynamique posaient également de nouveaux problèmes à l'administration municipale de cette époque. 这个阶段，我们的经济社会发展特别迅速，城市高度聚集呢，是它的活力和吸引力的体现。但这种高度聚集就跟人一样，也会带来一些副作用。这些副作用就是人口快速增长，与之相匹配的公共服务相对滞后，生活环境、出行环境都会受到压缩，由此带来的交通的拥堵，环境的污染。 住房的短缺，那么这些呢，后来就通俗的把它讲是城市病。早上好，北京时间7:31，我们一起来关注这一时段最新的路况信息。今天是星期一，现年尾号是五和零。连时。Le nouveau terme problème d'urbanisation était encore peu familier pour les gens qui vivaient à Beijing au début du nouveau siècle. Mais dans la vie quotidienne, tout le monde ressentait déjà une sorte d'état de santé en sous-régime lorsque cette mégapole tournait rapidement.
尤其周一你根本就走不动，按理说一分钟就能过去，挨那儿最少待了半个小时。哎呦喂，这车啊你只能灭了，没有别的办法。夏天就这个挨那儿停着，直接着着车噗就冒烟了。所以那会儿的车的质量也不成，真是不成。02年现在是早上的9:03，一路畅通，制度大家谈正在继续，还会出现雨夹雪，西部和北部地区呢是以降雪为主，大家呢一定要注意防范。我们来关注一下具体。一路畅通是我们北京交通广播2000年1月1号开播的这样的一档综合节目，那个时候北京开始逐渐的有了一个早晚高峰，当时是一个小时的一个直播节目，而且呢也没有那么早，早上起来8点到9点，下午的时候呢是5点到6点。那随着我们整个这个道路的变化，后来呢我们逐渐的这个早高峰也会提前，现在的这个节目就是早上7点半开始一直到9点半，持续2个小时，晚上呢是从5点开始持续到7点。通过我们这个节目的播出的时间也可以看出北京的这个早晚高峰的一个交通流量的这样的一个变化。2000年以后啊，北京进入一个新的发展阶段，我们称之为公交优先阶段，实际上是以奥运会为标志，就是我们2001年申办成功以后，要解决城市的交通问题，必须要发展大运量的公共交通，所以北京的这个公共交通发生了翻天覆地的变化。En avril 2005, le gouvernement populaire municipal de Beijing a publié le plan de développement des transports de Beijing 2004-2020, clarifiant la position stratégique des transports publics dans le développement durable de la ville. Depuis la mise en service de la première voie réservée aux bus du pays sur l'avenue Chang'an, le nombre de ces voies réservées augmente d'année en année et leur longueur totale dépasse désormais les 1000 km. Suite au développement technologique, le centre de commandement intelligent des transports publics de Beijing a été modernisé. Il fut ainsi équipé d'un système de positionnement par satellite, d'un système de vidéosurveillance, d'un système de communication par réseau numérique et d'un commandement par communication vocale sans fil. Après la candidature réussie à l'organisation des Jeux Olympiques, Beijing a également inauguré une période de développement rapide du transport ferroviaire urbain. La longueur des voies en service, le nombre de passagers transportés, ainsi que le nombre de lignes de métro, ont atteint de nouveaux records. Non seulement un réseau de lignes de transport par voie ferrée s'est formé à Beijing, mais grâce à une gestion intelligente et informatisée, une véritable connexion efficace avec les transports en commun routiers s'est également établie. 从智能化的发展来说，对于管理者的这个作用还是非常大的。管理的更精准啊，统计的更精细，从运营组织上、啊、可以更精确。在这个奥运会前后这段时间，应该说为公共交通发展打下了一个非常好的基础。Monsieur Bou, Bruce Connolly, qui se considère comme un authentique Pékinois, préfère se déplacer en bus. S'il adore déjà l'axe central de Beijing, le parcourir en bus est une autre expérience exceptionnelle.Le 30 décembre 2005, la ligne de bus à haut niveau de service BRT1 a été mise en service sur la route de Nanzhongzhou, la partie sud de l'axe central. Cette ligne de bus rapide constitue non seulement un nouveau jalon dans l'histoire du développement des transports publics en Chine, mais c'est aussi une route symbolique qui intègre la technologie et la culture humaine tout en reliant le passé et l'avenir. Les bus de haute technologie de la ligne BRT1circulant chaque jour sur la partie de l'axe central de Beijing au sud de Tianmen, semblent mesurer la longueur de l'histoire humaine de cette ville avec leurs roues. Le passé et le futur se croisent ici. De Tianmen, terminus du BRT1, jusqu'au nord de la ville, de grands changements se sont également produits sur l'axe central de Beijing durant cette période olympique. À l'Olympique,倒是在中轴线上，因为继续向北延嘛，整个奥运村11平方公里，现在我们走的部分的8号线地铁线，包括4环5环，都是在这个情况下给这个完善起来的，把最好的位置、最好的这个用地，贡献给了这个奥林匹克大家庭。Les Jeux Olympiques ont donné un nouveau sens à cet axe.Qui traverse les temps anciens et modernes. L'ancienne capitale est ainsi étroitement liée au monde et du fond de son histoire, elle marche vers le futur. Le 14 juin 2022, une exposition de photographies intitulée Ensemble vers l'avenir
a eu lieu à la Tour Olympique située sur le côté est de la partie nord de l'axe central. L'exposition rassemble les meilleures photos de l'équipe photographique des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing et de l'association chinoise de photographie. 14 ans après les JO d'été, Zhao Yingxin a de nouveau eu, à travers son objectif, une rencontre intime avec les Jeux Olympiques en hiver. En allant vers le sud, le long de l'axe central, il y a un endroit populaire où les habitants de Beijing font des exercices matinaux. C'est la porte nord du parc du Temple du Ciel, qui est située sur le côté est de la partie sud de l'axe central de Beijing. Le rythme des Jeux Olympiques d'hiver résonne encore, et la ligne bleue tracée pour les compétitions de marathon des Jeux Olympiques d'été en 2008 est aussi là. À travers elle, nous pouvons remonter le temps. En 1709, l'empereur Kangxi, qui connaissait bien le calendrier et l'astronomie, ordonna à son cabinet de définir l'axe central de Beijing comme étant le premier méridien au sens géographique. Mais cela ne fut ni reconnu ni adopté par la communauté internationale. 300 ans plus tard, le monde vient vers nous en suivant cet axe. Aujourd'hui, la ville de Beijing, surnommée la ville aux deux Jeux Olympiques, s'inspire de l'esprit des JO pour se tourner vers l'avenir avec une allure plus jeune et pleine de vitalité.